Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple chinois. Ce qui s'est passé le 1er mai est grave, sérieux, et a été pour moi une déception, une trahison. Oui, mais cela, simplement cela. Qui est le responsable? Les médias sont les coupables d'avoir fabriqué une affaire avec ce qui ne serait qu'un petit dysfonctionnement. Non, il y a véritablement une affaire. Et par ailleurs, les médias, ça n'existe pas. Il y a des médias. On ne peut pas mettre sur un plan d'égalité le Gorafi qui fait des canulars, un site, voire des officines nauséabondes qui répandent des rumeurs sur la vie privée, et puis des médias sérieux qui font de l'investigation et qui révèlent qu'il y a eu un appartement, un brassard police, un badge, des cartes de visite qui ont été données à Benalla, qui révèlent aussi que Ismaël Emelien a vu les vidéos, des vidéos pour la transmission desquelles des policiers sont mis en examen et pour lesquelles Benalla aussi comparaît devant le juge. Alors, pourquoi faudrait-il mettre tout ça dans le même sac, les médias? De ce côté-là, l'argumentation du président est très faible.